Hop. Bah alors, tu roules? Roule, roule, roule. Hop. Ouais, on est bien en bas dans le sens. Ok, alors. Vas-y, indique-moi un camp. Enfin, indique-moi un champ de mine. Stop! C'est bon, il l'a flairé. Oh! Le champ de mine manquant! Hop, et là, il est juste ici! Ok, vas-y. Où se trouve la première bombe? Par là. Ok. Côté. Stop! C'est pas la peine de se faire exploser. Ok. Ok. Tap! J'ai failli avancer encore. Le son d'ambiance du jeu est spécial, faut aimer les chiens en détresse. C'est pas faux, Okuzai 14. Mais c'est pas... C'est pas toujours... ça se passe pas toujours comme ça, hein, rassure-toi. C'est juste que là, on est en train de chercher des... On est en train de chercher des bombes. Et notre ami le chien nous aide à les retrouver. Pour éviter de se faire exploser. Hop. Hop, et là, c'est par ici. Ok. 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 Doucement. Voilà. Ouf. Waouh. Roule ma voiture buggy. Oh là là. Il y a aussi des bruits de voiture qui sont assez pénibles. Bah non. Ils sont pas pénibles les bruits de voiture. Ils sont voitureux. C'est tout. Hop. Ok. Encore. Ok. Stop. Ok, tu l'as trouvé la dernière. Parfait. Doucement. C'est pas la peine d'aller trop vite et de s'exposer dessus au lieu de la désamorcer. Voilà. Hop. Parfait. Bien. Plus aucune menace, Crotus ne patrouille plus dans cette région. Oh, mais si c'est pas extraordinaire. Waouh. Enrayer toute menace dans une région du territoire de Jits. Oui, je crois pas que ce soit comme ça qu'on doit utiliser notre voiture. Mais c'est cool! Donc, dans cette région-là, on sera plus du tout embêté. Et franchement, c'est pas génial, ça? Y a pas beaucoup de musique, on dirait, j'hésite à le prendre, mais sans musique, c'est tristounet. Ah! Ouais, je peux comprendre, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quand même super sympa pour... Enfin, c'est un bon défouloir, je dirais. Enfin, je trouve. Hop! Voilà. Ok, bon. Du coup, toute la zone de la plaine du Brasier, maintenant, est tranquille. On n'aura plus de problèmes. Le pauvre voiture n'existe pas, quoi. Désolé de te la rendre. Quoi? Comment ça, il n'existe pas? C'est sûr que sans musique, c'est moins cool, oui, bah. Bah c'est vrai que, enfin, comment dire, en même temps, dans la vraie vie, je veux dire, quand tu te balades, par exemple, dans la rue, t'entends pas de la musique tout le temps non plus. Hein. Enfin, je dis ça, je dis ça comme ça. Juste pour terminer, on va aller à ce poste d'observation, parce que j'ai envie d'observer cette région un petit peu. Je dis pas que c'est celle-là qu'on fera la prochaine fois, ce sera probablement plutôt celle-ci. Ou celle-ci, enfin bon. De toute façon, on doit nettoyer tous les territoires en entier. Ici, j'ai laissé le convoi, donc il va falloir qu'on s'occupe, mais je voudrais d'abord améliorer ma voiture, je pense. Je vais rester pour sur mon petit Borderland. Bonne continuation. Eh bien, écoute, bonne continuation à toi aussi. Et amuse-toi bien sur Borderland. Tu as ton autoradio, c'est vrai. C'est vrai, certes.
Dans la vraie vie, tu peux avoir de la musique avec des écouteurs. Oui, mais je veux dire, t'as pas de la musique épique qui se déclenche quand tu marches dans la rue comme ça. Bref. Hop. Non! Non! Je refuse de me recoincer là-dedans! Je refuse! C'est hors de question! Oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on s'est retrouvé coincé sous cette branche. Bonjour monsieur, ravi de faire votre connaissance. Hop, et là, c'est pas par ici que ça se passe. Oui, enfin, c'était pas très difficile non plus. Hein. Hop. Voilà. Maintenant, va falloir trouver les bouts de ferraille. Ici. Et ici. Parfait. Ok. Si seulement on pouvait avoir des musiques d'ambiance dans la vraie vie. C'est vrai, mais d'un autre côté, ça ferait aussi bizarre de croiser des gens qui sont pas sur la même musique d'ambiance que toi, quoi. Parce que, je veux dire, imagine, je sais pas, t'es dans un moment de ta vie où t'es en train de vivre un truc épique et tout ça, et là tu croises une personne qui est en plein drame. Du coup, t'as la musique de drama et la musique de l'épicness qui se croisent. Et ça donnerait des résultats, ma foi, fort bizarres, à mon avis. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais j'imagine quoi. Bon, on n'entendrait pas la musique d'ambiance des autres, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être une solution. Ok. Super. Hop. En l'occurrence, moi ce que je veux, c'est aller par ici. Donc, hop. Les pneus sont à poil! Oh là là! Eh bah dis donc, c'est que vous êtes nombreux aujourd'hui! Hop là, non mais. Hop! Hop là! Hop! Voilà. Ouf. J'ai mal pour lui. Oui, ça va. Si on n'entend pas la musique d'ambiance des autres, ça va. Mais si on l'entendait, ce serait quand même strange. Hein. Ça pourrait donner lieu à des situations. À fois fort étrange. Hop. Alors. Des balles! Qu'est-ce que... Ah d'accord. Excusez-moi. J'ai cru entendre quelque chose, mais en fait non. Ce n'était rien! Tout va bien. Chut. Mais vu la technologie, je suis sûr qu'on... Attends, mais vu la technologie qu'on a... Je suis sûre qu'on aura ça un jour, genre une petite oreillette qui te met de la musique selon ce qui se passe. Ouais, enfin. T'imagines aussi si t'es en train de vivre un truc, je sais pas, genre une personne qui... Excuse-moi. Une personne qui, je sais pas, viendrait de se faire plaquer par exemple et... Et tu lui rajoutes en plus la musique d'ambiance qui va avec. Histoire de bien lui plomber le moral. Ce serait pas très gentil en fait. Ouais, ce sont pas des balles, ce sont des munitions. Techniquement, les munitions sont des balles. Tu peux me redire ça autant que tu veux. Je sais ce que je dis. Hop, on récupère de l'eau. De l'eau.
Oui, c'est vrai que ce sera un peu sadique. Bah ouais, c'est un peu le le problème, quoi. En fonction de la situation, ça pourrait te rajouter des trucs qui seraient encore toi de ta... Oh! Tant de ferraille, 54 morceaux! Oh! Alléluia, quoi. Sérieux. Bon, alors, voyons un peu. Est-ce qu'on va pouvoir, du coup, directement monter, ou est-ce qu'il va nous dire... Hop. Shift left, pardon. Autant pour moi. On peut? Ah, bah voilà. Super. Bah forcément, il y a des munitions qui sont pas des balles. C'est vrai, mais dans mon cas... Il y a des balles de sniper et des balles de fusil, alors... Ça reste des balles dans tous les cas. Hein. La zone des rafales. Hop. Maintenant, on va pouvoir faire mumuse avec les jumelles. Un camp de scorbut, c'est quoi ça? Ne vous laissez pas abuser par les marques colorées sur les murs. Scorbut est le bras droit de Scrotus. Il est très puissant et complètement taré. Avec ses hommes, il terrorise les vagabonds, inspirant la terreur de Scrotus dans le cœur de tout être vivant. Éliminez tous les occupants de ce camp pour réduire la menace de Scrotus dans la région. Ouch. Ah ouais, d'accord, carrément, quoi. C'est pas un... Ok... Il y a des trucs à découvrir tout de même. Un camp de transfert, un épouvantail. Attendez, on va commencer par ce qui est loin et puis après on verra ce qui est plus proche. Un épouvantail solide. Un sniper, on les aime. Un autre épouvantail solide. Un sniper et un épouvantail fragile en même temps, une course à la mort. Un autre épouvantail solide, mais mon dieu, mais il y a trop de choses dans cette région, c'est pas possible. Le fameux camp de Scorbut, l'épouvantail solide. Vas-y, il y a d'autres choses à voir. Là-bas, c'est... Ok, d'accord, je vois. Non, je crois qu'on a... On a fait le tour, ma foi, de notre très chère région. Soleil! Hop. Ok. On regarde ce qui peut arriver à nos pieds. On a notre voiture avec la voiture des méchants à côté, ok. Ouais, bah ça m'a l'air déjà pas mal tout ça, ma foi. On va avoir beaucoup à faire dans cette région, je le sens bien. Mais au fur et à mesure qu'on avancera, au moins on obtiendra... Là-bas on voit Pétroville. La ville spéciale pollution. Ouah, une montgolfière. Le nom de la zone ne dit rien de bon. Rafale, oui c'est vrai. Scorcrus. Cette zone est grande, oui c'est vrai. Aussi. Ok, donc vas-y, range-moi les jumelles. On va voir un peu tout ce qu'on a trouvé. Bom 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 bom. Moi qui trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose dans cette région. Hop, voilà, j'ai retrouvé mon curseur. Ok, donc bah finalement, il y a pas mal de choses à faire. Et surtout, il y a ce camp-là qui m'inquiète un peu. Où il faudra qu'on aille. Puis on a toute cette région-là à faire aussi, les pipelines, il y a tellement de choses dans cette région. Je crois qu'on va commencer par celle-ci, parce qu'on a des objectifs dans ce coin-là, notamment trouver la carrosserie requise et puis entrer dans la grotte des esclavagistes. Puis de toute façon, il faut qu'on s'en occupe de cette zone, même s'il y a un convoi, que je ne courserai pas pour l'instant tant que je n'aurai pas amélioré ma voiture, bien sûr. Et... Je pense qu'on va faire un petit... on a nettoyé cette zone-là, on a nettoyé celle-ci. Je pense qu'après, on s'occupera de celle-là, puis celle-là, puis celle-là. On va faire un petit... hop. Un petit chouf, comme je disais tout à l'heure. Scorcrus.
Le gars qui a une base dans la région, là, le type où il y a marqué qu'il est complètement taré. Oui, c'est vrai. C'est. Je sens qu'on va avoir beaucoup de choses à faire dans ces régions, ma foi. C'est super sympa, je trouve, d'avoir autant de. Ah, les alliés ont ajouté 140 pièces de ferraille. Eh bien. Hop, vas-y, tu peux descendre. Ça nous en fait des choses à faire, hein, mine de rien. On a encore pas mal de travail. Hop. Voilà. Donc R, quitter le ballon. Voilà, parfait. Hop. Donc. On va faire un dernier bout de truc. Hop. Alors, par ici, voilà. Oui, ça va pas faire du bien la voiture de faire ça, mais. Louange! Tout à fait. Hop. Voilà. Parfait. Et ensuite. On a encore un dernier véhicule dont on doit s'occuper. Hop. Voilà, parfait. Arc, mais tu m'agaces. Je vais pas exprès de me tromper dans le prénom et toi tu acquiesces parce que tu te souviens pas que le vrai nom de... c'est Scorbut et pas Scorcrux. Ah, mais si, je le sais parfaitement que tu te trompes dans le prénom. C'est juste que je faisais comme si je n'avais pas remarqué ta faute d'orthographe, c'est tout. C'est. Mais je le sais bien qu'il s'appelle pas comme ça, faut pas croire. C'est juste que je voulais être sympa en te faisant pas remarquer que tu faisais une erreur, c'est tout. Hop. Alors. Voilà. Je te hais. Et bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Alors, voyons ce qu'on a ajouté au menu garage, parce qu'ils nous ont dit qu'on avait ajouté des choses. Récompense de projet de points 5 minutes. Ok. Ah, c'est qu'on a. Ok. Alors, voyons. Ah, on a un niveau supplémentaire de trucs pour faire. Hop. Faire des dégâts. Hop. Parfait. Ensuite, là, on a gagné quoi? Augmente la quantité de munitions et de surin dans l'inventaire. Je veux. J'hésite même pas direct. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné comme tête? Alors, le visage de Max est couvert de peinture de course. Fais voir. C'est gratuit, donc je regarde. Non. Désolé, mais en bleu, là, comme ça me fait... Je me suis renversé un pot de peinture sur la face. Hop. On a... Ajoute un troisième canon, ce qui réduit le temps de rechargement et augmente les dégâts du tir de 25%. Bah vas-y, hein. On a 3000 pièces, on en profite. Et des nouvelles compétences. Eh bien, fais-moi voir, parce que ça m'intéresse pas. Hop. Alors, on a mouvement d'inversion qui désarme l'assaillant après une super parade. Ça peut être utile. Donc on prend. Ok. On y retourne parce qu'on n'a pas fini. Ça, c'est quoi? Utilise une arme corps à corps pour tuer rapidement les ennemis à terre. Non, merci. Servez-vous d'un surin pour exécuter rapidement les ennemis coincés contre les murs. Ça va, merci. Servez-vous d'un surin pour vous libérer d'un ennemi qui vous a empoigné. Je prends. Ça, je vais pas dire non, c'est clair. Hop.
Et pour l'instant, c'est tout. Ce qui est déjà bien. Hop. Ok. Donc, ma foi, on a déjà des trucs assez intéressants. Au niveau du bio, on a. Je pense qu'on a des nouveautés. Donc, on a Scrotus, Scorp. Ah, la tronche de ce gars! Franchement, Chum Bucket, il est mignon en fait, limite, hein! Moi, j'attends de rire. Voyons voir. Hein, et toi, tu me trolls, d'accord? J'ai compris. Non, mais franchement, avouez-le, hein, Chum Bucket, rapport au. Attends, non, non, mais il y a trop de texte là, je peux pas lire ça, c'est pas possible! Argue! True, but only the warrior saint can drive you. Yeah, that is why you send him my way. Oh, tu seras aussi réel que l'acier, mon ange. Je construirai ton corpus et allumerai ton essence sacrée. Oui, mais seul le guerrier saint pourra te conduire. C'est pourquoi tu me l'as envoyé. Ok. Chum Bucket est un étrange mécano qui vit dans la région du désert blanc. Il rencontre Max après l'avoir espionné avec ses lorgnettes. Alors qu'il récupérait des pièces détachées, il vit le guerrier combattre Scrotus, le Scabreux et les Warboys, et se dit que Max lui a été envoyé par le destin. Le passé de Chum Bucket est obscur. Il est originaire de Petroville, mais en a été chassé malgré ses extraordinaires talents de doigts noirs. Il vit depuis longtemps seul dans les terres désolées et fait parfois du troc avec des gens comme Jit ou Gutgash. Il a installé son garage dans une vieille épave de bateau pour y construire un véhicule. Chum Bucket se prend pour le prophète de sa propre religion délirante, qui célèbre la mécanique. Il vénère ce qu'il appelle l'ange de la combustion et d'autres divinités mineures du même genre. Il a l'intime conviction d'avoir été choisi pour construire le véhicule ultime, la Magnum Opus, avec l'aide de Max, son guerrier saint, qui lui aurait été envoyé par l'ange de la combustion. Chum Bucket, habité par sa ferveur religieuse, et Max, impatient de construire une nouvelle voiture, ont le même objectif. C'est pourquoi ils décident de construire ensemble la Magnum Opus. Eh bah. Je crois que c'est un bon quand il aura fait une course de la mort pour Crawl Dazzle. Ah d'accord, ok. Jit ensuite. Now, with Warlord Scrotus's goons out there, we're weakened. We gotta get our hands on some of that sweet black thunder to even the odds. Avant, on nous craignait dans la région, mais avec la mode de Scrotus, on est plus faible. Il faut qu'on se dégote du tonnerre noir pour rétablir l'équilibre. Jint est le jeune chef du Brasier, une grosse forteresse du désert blanc. Il régnait en maître dans les environs jusqu'à ce que Scrotus devienne fou et ordonne à Scorbut et ses Warboys de semer le chaos dans la région. Jint, jeune baratineur à la langue bien pendue et foncièrement méchant, a l'intention de retrouver sa souveraineté, mais il pourrait avoir besoin d'un étranger. Jit souffre d'une tare physique qui le rend agité, surexcité et sujet à des crises émotionnelles. Il parvient à se maîtriser en pratiquant l'automutilation et transperce sa peau de tête de flèche acérée. Super! Jit sait que Chum Bucket est un excellent mécano, mais il ne lui fera jamais confiance. Sympa! Yay! Bon, du coup, Max. Hein. To find peace, I must reach the Plains of Silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Or better. J'ai besoin de trouver la paix, et pour ça je dois me rendre dans les plaines du silence. Il me faut un engin aussi puissant que la machine noire, ou encore mieux. La machine noire, du coup, c'était sa voiture du tout début du jeu. Celle qui lui a été volée. Max est un solitaire fuyant son passé et se fuyant lui-même. Alors que notre civilisation agonisait, il a perdu sa famille, victime d'une violence aveugle. Depuis, il est sur la route, vivant, ou plutôt survivant, au jour le jour. Il est hanté par une cacophonie de souvenirs distordus, de bruits et de visions. Il aurait pu s'arrêter depuis longtemps, il aurait pu cesser de se battre et de respirer, mais son corps, ne lui laisse aucun répit. Son entraînement de survie fait maintenant partie de lui. Son esprit confus a imaginé un endroit mythique qu'il appelle les plaines du silence, où il est convaincu qu'il trouvera enfin la paix, oubliera ses angoisses et fera taire à jamais les fantômes du passé. Eh ben dis donc, il y en a du texte.
Il s'accroche à son vieil interceptor, la machine noire. C'est une extension de lui-même, essentielle pour survivre dans les terres désolées. Tout change le jour où l'interceptor est capturé, mais comme toujours, Max poursuit sa route et trouve un moyen de survivre. Eh bah. Bon, rassurez-vous, on a. Ah bah non, on n'a pas quasi fini. Mais il y a beaucoup trop de trucs là, c'est pas possible! La Magnum Opus, l'interceptor. Donc, ça, c'est sa vieille machine. La Magnum Opus, c'est ce qu'on est en train de construire potentiellement. Il y a Griffa, le chien. Ah bah celui-là au moins c'est rapide. Waf! Les canidés en vie se font rares, la plupart ont été abattus pour être mangés. Celui-ci était autrefois le précieux chien de combat de Scrotus le Scabreux. Max ayant vaincu le chien sur le Land Rover, Scrotus l'a propulsé d'un coup de pied rageur vers une mort certaine. Mais heureusement, il a été sauvé par Max. Bon, du coup, on a Griffa, du coup, qui est cet homme mystérieux qui nous aide à améliorer nos aptitudes physiques, comme c'est écrit ici. Bon, je vous laisse lire, hein, je vais pas. Le chien a un texte tellement complet, mais oui. Bon. Ah, allez, on a commencé, on continue. N'es-tu pas celui qui roule pour oublier? Je l'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu fuyant des fantômes, cherchant en vain tes plaines du silence. Ta route et la mienne se rejoindront bientôt, et tu connaîtras plus fort que tes craintes. Mystique, errant, qui semble uniquement s'intéresser à Max, il peut aider Max à pénétrer au plus profond de son âme pour transcender son esprit et améliorer ses aptitudes physiques. Le genre d'aptitude qui te permet d'attirer plus de métal dans dans les caches, par exemple. Ou ce genre de choses. Gaspard Grope, je crois qu'on l'avait déjà lu, hein, c'est le premier caïd qu'on a vaincu du coup. Hop. Ok. Ils ont pris et démonté ma voiture, je crois je dois en construire une autre, meilleure et plus rapide. Le véhicule très convoité de Max, un interceptor spécial poursuite, fortement modifié. Il a été équipé d'un V8 suralimenté, modifié pour supporter l'environnement hostile des terres désolées et doté de deux gros réservoirs de carburant, aussi connus sous le nom de machine noire. Ce bolide contenait tout ce dont Max avait besoin pour traverser les plaines du silence. Lorsque Max est arrivé aux tombes extérieures, la machine noire a été emmenée par les Warboys de Scrotus et entièrement démontée. Avec l'aide de Chum Bucket, Max a dû construire une nouvelle machine pour de survie, plus puissante et plus solide que la machine noire. Ok. On arrive au bout. La Magnum Opus, l'œuvre de ma vie, c'est l'ange de la combustion en chair et en os, ou plutôt en acier. Depuis que l'ange de la combustion m'a envoyé le sein, je sais quel est mon destin. Ça, c'est Chum Bucket qui a dit ça, hein, c'est sûr. Le véhicule de survie monoplace le plus rapide et le plus redoutable et le plus remarquable jamais construit dans les terres désolées. Waouh! Le mec, il manque pas de compliments pour sa voiture, hein. Du coup, Scrotus. Ah, tellement de textes. Toutes les richesses de ces terres sont à moi et tout Pétroville est à moi. Scrotus le Scabreux, fils d'Immortan Joey et frère de Rictus Erectus, c'est quoi ces noms? Est un seigneur de guerre redoutable et le protecteur attitré de Pétroville. Très jeune, Scrotus est apparu comme un guerrier sans égal. Sa vitesse, sa force musculaire, son audace en faisant une parfaite machine à tuer. Il a éliminé son premier compagnon d'entraînement à l'âge de 7 ans. Yay! Il a continué ses conquêtes, massacrant ses ennemis, ses camarades d'entraînement et ses instructeurs. Non mais tu sais, t'es pas censé taper sur tes amis à la base. Adolescent, il s'est perfectionné dans les courses à la mort de Pétroville au moulin à balles. Scrotus prospère dans les terres désolées, savourant cette guerre permanente et écrasant tous ceux qui sont parvenus à s'y établir et s'emparant de leurs ressources. Fuyant le monde superficiel de la citadelle, il a fait de son armée de Warboys une force inégalée dans les terres désolées. C'est pendant les guerres des terres désolées que Scrotus a vaincu Dementus, Immortan Joey ayant repris le contrôle de Pétroville. Scrotus a été nommé protecteur de Pétroville et chargé de diriger toutes ses activités et ses armées. Sa cruauté et ses méthodes barbares sont légendaires, de même que son goût pour les mises en scène morbides. Super. Il porte des têtes humaines accrochées à sa ceinture, génial!
Exhibe un étui peignant coupant comme un rasoir. Ok. Son armée de warboys est d'une loyauté à toute épreuve et se plie à tous ses caprices, même les plus extrêmes. Tout autour de Pétroville, on peut voir le signe du règne de terreur de Scrotus avec ses épouvantails et ses nombreux campements qui alimentent Pétroville et fournissent de nouveaux guerriers à son armée. Waouh! Eh ben dis donc, l'histoire de cet homme. Et puis ce truc-là. Pardon. Scorbut. J'entaille, j'écorche, j'arrache la peau des faibles, je porte leur visage, je leur rase le crâne. Dehors, j'obéis aux ordres du maître Scrotus, mais je me réserve le plaisir du dépeçage. Ah, ce gars-là, je crois pas qu'on puisse s'entendre, en fait, pas du tout même. Ce gars est tellement normal. Non. Scorbut, pardon, est l'un des guerriers favoris de Scrotus. Il est célèbre pour ses méthodes cruelles et sadiques. Quand Max a blessé Scrotus, Scorbut a été chargé de semer le chaos dans les terres arides en s'emparant de tout ce qu'il trouverait. Il a accompli sa tâche à la lettre et avec zèle. Ses Warboys ont commencé à faire régner la terreur, changeant la région à tout jamais. Avec une vie de combat et de plaisir sadomasochiste, super, vive le thème, quoi! Scorbut est couvert de cicatrices, il a été maintes fois défiguré et porte, j'ai pas envie de lire ça, il ne lui reste plus que quelques chicots pourris, super. Bla bla bla. Il aime se parer de nanana. Ok, c'est super. Bla bla bla. Ah! Ah. Ok, Scorbut est le sous-fifre parfait, encore plus méprisable que Scrotus, tu m'étonnes. Il ne commandera jamais. Pourquoi? Parce que tous les maîtres finissent par tomber. Et si Scrotus tombe, Scorbut ira proposer ses ignobles talents à quelqu'un d'autre. Non. Ah! Je n'aime pas cet homme. Je le déteste. Attends, il y a tout ça en plus à... Ah, mais non. Hein. Non, non, mais stop. Je ne lirai pas toutes ces choses, il y en a beaucoup trop. C'est pas possible. Attendez, il y a une nouveauté dans les éléments récupérés. Ok, on a avancé dans notre collection, ma foi. Même s'il nous en manque encore plein. Les reliques historiques. Bah dis donc, ça en fait des trucs à collecter, hein. J'espère que... J'espère que vous êtes patients. Alors... On nous a dit qu'il y avait des nouveautés dans le garage, alors j'aimerais bien savoir quoi. Tout de même. Ok. Ah. Là, visiblement, il y a le V6 musclé. Accélération du V6 standard augmentée de 40%, je prends, même si... Voilà. Ça nous fera toujours un meilleur moteur, c'est cool. Échappement, il n'y a pas mieux. Les pneus, il n'y a pas mieux. Ah, si, attendez. Garde au sol et protection du châssis augmentée de 15%. Bah vas-y mon gars. Hop. Ok. Ouh, une nitro à 3 recharges! Ah mais je prends. Mais tellement. On pourra encore plus accélérer, c'est cool ça. Allez hop, on va prendre tout ce qu'on peut, hein, de toute façon. Hop. Les pointes anti-abordage. Ah ouais, on avait carrément le niveau 3, j'ai pas vu. Hop. Bon, c'est pas grave, j'ai l'impression d'être un peu en train de gaspiller ma ferraille, mais de toute façon, faut bien l'utiliser, hein. Le sniper. Meilleur sniper. Ah mais oui. Ah, nouveau. Direct. Hop. C'est quoi ce truc qui augmente au fur et à mesure où on le prend? C'est pas possible ça! Hop! Bah vas-y, écoute, puisqu'on a le droit. On peut pas? Ah zut! On a que 452. Il nous faut 500. Oh là là! Ok, donc on a le harpon de disponible. Ça, on n'a pas. On peut avoir des brûleurs latéraux! Des lance-flammes montées sur la Magnum Opus qui crache des flammes mortelles sur les côtés. Waouh! La vitesse de réparation, on peut pas l'améliorer. Ah!
On a une autre carrosserie, visiblement. Vas-y, fais voir, c'est quoi? Ok. Ah, je préfère la mienne quand même. J'aime bien ma petite carrosserie à moi. Ouh, on a des nouvelles couleurs, c'est vrai? Eh ben non. Oui, il faudra remettre la couleur rouille quand on sera. Il y a des autocollants. Non, non, attends, je veux pas les acheter, mais c'est marrant. On peut mettre des autocollants, mais ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour la déco, quoi. Ok. Et les ornements de capot, je crois pas qu'on ait de nouveautés, hein. On en a que deux et. Ok, bon. Bah, ma foi, on a un petit peu amélioré cette voiture. Cette voiture est incroyable, j'ai hâte de la voir en action. Eh bah, on verra ça. Hop, je prends pas le harpon amélioré de suite, hein. J'ai l'intention de me concentrer sur le sniper, donc pour ça il va falloir qu'on récupère de la ferraille. Parce que j'ai tout dépensé dans ma voiture. Hop, ça nous en laisse plus beaucoup. Mais bon. Là il nous faut 1500, ok d'accord, c'est noté. Hop. Ok, donc la prochaine fois on s'occupera de la prochaine zone qu'on a à faire, ma foi. On a encore beaucoup à voir. Je vais pas lire la totalité, hein, c'est pas possible. Attendez, vous avez vu le nombre de trucs qui sont à lire, à voir, à faire et compagnie? Attendez, je veux juste voir un truc, c'est que là je suis qu'à 92%. Il me manque une arme. Je suppose que c'est le truc harpon de feu là, probablement. Ça doit être ça. Attends, sérieux, ils ont mis des textes pour tous les trucs? Il y a un texte pour la gourde. Ah non, mais laissez tomber, hein. On n'est pas sorti de l'auberge si on doit tout lire. Ok, alors. Hop. Peut-être que je le ferai en off, mais pas avec vous, hein, sinon. Comment? D'accord. J'ai eu un doute. Non, tout va bien. Ok. Alors. J'espère quand même que ce très long live vous aura plu. Ça va nous faire. On est quasi à 3 heures de live, donc ce qui veut dire quasi 3 lives en fait. Enfin, quasi 3 rediffs plutôt. Hop. La gourde a un droit à un texte elle aussi. Ok. Bah ouais, comme tu vois. Bon, du coup, moi je m'éclate bien sur ce jeu. Hein. J'espère que vous aussi. Même si, bon, là, on a fait plus lecture sur la fin, mais. Mais j'aime bien le fait qu'on ait plein de choses à faire, on a plein de choses à voir, à découvrir et tout ça. C'est vraiment un jeu qui te demande de visiter et d'avoir de la patience, quoi. C'est clairement ça. Donc, j'espère que vous vous amusez autant que moi. De toute façon, je continuerai ce jeu quoi qu'il arrive, hein, parce que j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir la suite, de voir comment ça va se passer, et de profiter de ce bon jeu des fouloirs, je trouve. Ok, le gameplay est pas très. Enfin, comment dire. Au niveau des coups, en dehors de. De donner un coup de poing et faire des finitions et des parades, bien sûr. Enfin, y a pas 50 techniques à retenir. Mais franchement, je trouve que c'est suffisant. Je suis pas là pour mettre 60 ans à me demander. Alors attends, il faut enchaîner la technique X, Y, Z et ainsi de suite. Moi, je suis juste là pour m'amuser. C'est tout ce qui me plaît. Ce jeu est très fun, même si les jeux que tu fais en ce moment ne sont pas du tout mon genre. Bah écoute, bon, ça peut pas être le genre de tout le monde après tout, hein. Enfin, écoute, moi je m'amuse bien, voilà. Du coup, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à suivre pour pas manquer les prochains lives. Prochain live, du coup, vendredi à 18h30 sur BioShock 2. Ensuite, il y en aura un mardi à 18h30 sur World of Warcraft. Et ensuite, on continue Mad Max, du coup, mercredi prochain à 18h30. Ok? Si vous êtes sur la rediff et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos qui sortent, du coup, les mêmes jours que les lives, à quelques heures d'intervalle. Donc, en général, la première, elle est à midi.
S'il y en a une deuxième, elle sera à 14h. Et s'il y en a une troisième, et bah probablement à 16h. Je les sors toutes les 2 heures, voilà. En espérant qu'il n'y aura jamais de quatrième, parce que sinon vous arriverez jamais à tout revoir avant de pouvoir regarder mon live. Si vous avez envie de voir le live juste après, bien entendu. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, hein, pour dire que ça vous a plu. Si vous avez envie, bien entendu. Et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ma foi. Si vous pensez qu'il vaut mieux que je fasse, par exemple, une région avant l'autre ou quoi, vous avez le droit de me le dire. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, moi je m'éclate bien. Je vous remercie à ceux qui sont venus sur le live. Merci à ceux qui ont regardé la rediffusion. Et je pense que je vais pouvoir vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye! Et à la prochaine!